Cette sculpture en bois de cerisier représente bien entendu son histoire, puisqu'on peut y voir ses fibres, comment il a poussé, mais aussi la mienne. Et la sculpture est le fruit de notre relation. Il me raconte son histoire, s'il y a un trou, s'il y a des veines à sublimer. Et je vis la mienne. Lorsque j'ai vu ce côté nature dans ce morceau de bois qui semblait souffrir dans sa beauté, j'y ai vu aussi mon histoire. Un peu brûlée à l'intérieur, un peu hostile à l'extérieur, avec ses pics. J'y ai vu l'histoire d'un burn-out. Cette sculpture, malgré son pessimisme, plaît beaucoup. J'espère qu'à vous aussi.